Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tigrali, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, et on se retrouve pour le deuxième épisode de The Last of Us Remastered. C'est parti, on commence par rejoindre Tess. Rappelez-vous, nous étions à la recherche de Robert. Je cherche Robert. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a une demi-heure. Il est Il retourné est au où? quai. Ok. Il y a encore. Merci beaucoup, monsieur. Les lucioles. Ouais, pardon, on avance. Alors, faut que je me reprenne les boutons, je me rappelle déjà plus. C'est la lumière. Comment on se retournait déjà? Je sais plus. Moi, c'est pas grave. On avance. C'est parti. Oh là. Les gros durs. Faut qu'on passe. Ouais, un Ne bug crains du pas son. de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas C'est un ça. bug dans le jeu, vous inquiétez pas les amis. C'est pas votre PC Hors qui de plante. question que je parte sans Écoutez-moi le Robert. camp. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez ici immédiatement. Mais planquez-vous. T'es prêt? Restez accroché dans les objets pour protéger des coups de feu. Hop là, dans la tête. Ouais, on a mis un peu ce con. Hop là, dans la tête aussi. Bien joué le Texan. T'inquiète. Toi aussi. Bon, lui il avait rien. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose. T'as pas J'ai des chèques en blanc. Allons y mettre un terme. Ils avaient pas de munitions, c'est con. Bon, c'était facile quand même. Hein. Deux petits tirs dans la tête et c'était bon. On a pris un peu cher quand même. Oui, madame. Ok, bien. Allez, vas-y. Ah, je sais que je vais beaucoup en parler, mais je reviens pas, c'est des décors. Regardez-moi ça. C'est juste. Waouh. Ouais, c'est une des choses qui fait. Que j'aime ce jeu, c'est bien les décors. Hein. Oh, des rats! Ça faisait longtemps. Hop là. Ouais, donc il y a des touches que je me rappelle plus, bon, c'est pas grave. Par ici, Joël. Oh, ça sent encore le merdier. Alors. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. C'est pas. Je vais pas bouger. Personne ne rôde ici. La furtivité pour éliminer vos adversaires sans utiliser de balles. Ouais. Ok, du coup ils sont où? On va aller rejoindre Tess. Voilà, ça fait partie des passages du jeu. Bon, je vous dis clairement, je vais pas être super doué. Parce que c'est quoi? C'est un moment où faut être sage et calme. Ok, de soin. Non! Récupère-le, c'est tout. Avec des menottes au poignet. Prends celui que tu veux, je m'occupe de l'autre. Ils les ont alignés contre le mur et bam bam bam, ils les ont tous exécutés. Alors lui il m'a pas vu. Elle lui a planté un couteau dans la gorge. Comment elle a... Pourquoi elle a le droit de planter des couteaux et pas moi? T'es où? Oh, du sang. Allez, elle est sortie.
Allez, on va pas se faire repérer, on marche doucement. Voilà. Oh, il y a une clé. Clé de l'entrepôt. Allez, on fouille le coin. Donc, ouais, fouiller le coin, pardon. Alors, il y a quelque chose derrière. De toute façon, je pense qu'on a tout ramassé. Hein. On avait deux soins qu'on a trouvés. Reste, il n'y avait pas grand chose. J'en veux plus des touches, moi. Allez, on va ouvrir l'entrepôt. C'est parti. Alors, s'il me reste peu de munitions. Essayez autre chose pour survivre. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert. Putain, merde! Ok. Du coup, il rentre. Vas-y doucement. On l'attrape. Chope l'autre. Mais t'es une bolosse. Va choper lui. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est con. Hop là, allez. On l'étrangle. L'autre reste planqué derrière le tire-pal. Espèce de... Alors... Il y en avait trois, il est où le troisième? Bah c'était S. Bah je le vois pas. Bon écoutez les gars, on va continuer. S'il y a personne. Ah, il y a quelque chose là par terre. Mais c'est une bouteille. Ouais, je l'ai vu là-bas. Est-ce qu'il a entendu? Ouais, il a entendu, c'est bon. Ah non. Merde. Je la récupère. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non. Elle est où cette conne? Ah, elle est juste là. Ok, très bien. On avance. Ah, ils sont où? Allez, cache-toi. Faut les faire venir en fait. On va tirer dessus. Mais vas-y Tess, mais t'es sérieuse. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Je vais appeler du renfort avec tes conneries. L'autre côté, Bolos. Voilà. J'y crève. Voilà, et du coup il ne reste que 3 balles. Super. Oh merde. Je voulais le frapper mais ce con il s'est blessé. Vas-y, dans la tête. Y'a plus personne? On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Non, tu crois? Ils nous auraient ralenti. Ouais, t'as raison. Pousse-toi! Les quais sont par là. Ils ont pas de munitions sur eux? On peut peut-être pas les fouiller. Attends, moi je monte, y a peut-être quelque chose là-haut. Comme je vous dis les gars, fouiller c'est très important. En plus j'ai que 2 balles. Vous voyez, hop là, une trousse de soins. Une bouteille. Ah mais bon. Quelque chose à récupérer quand même. Non? Rien du tout. C'est de l'arnaque.
Alors, là. 1 sur 1. Ah voilà, c'est avec ça qu'elle l'a fait. Bah oui, c'est vrai, je suis con. Pourquoi non, là que maintenant? Je sais plus. Bref, ça, les gars, va falloir le garder très précieusement. Mais il n'y avait pas de balle, je suis déçu. Allez, faut maintenir. Allez. Du coup, on a que deux balles, ça va être chiant ça. Voilà notre homme. Il est là-bas, Robert. Ouais. Oula, 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 oula. C'est un moment qu'on a plus d'un joli trouvaille. Ah, elle m'a donné des balles. Merde, je sais même pas s'il reste quelqu'un. Du coup, on doit prendre ses boulots pourris. Ouais, donc là, il va falloir se faire discret. Ça t'avancera à toi, hein. Il faut qu'on réfléchisse. Oh putain. Recule. Je vous dis les gars, c'est là que je vais commencer à être nul à chier. Parce qu'il va falloir y aller doucement. Et moi doucement, je sais pas faire. Tiens toi violent, espérant que personne nous voie. On va se recacher, personne n'a rien vu. On va vérifier. Putain! Allez par derrière, connard! Merci de m'avoir prévenu, hein! Bouffonne, va! Vas-y, tire le dessus. Vas-y, tiens, mange-toi ça. Putain, on nous tire dessus. Mais ça, c'est à cause de l'autre Tardos, là. J'en ai qu'un, ok, super. Tiens, crève. On va se soigner. T'inquiète. Je me soigne. Ok, super. Une brique, ça peut servir. J'avais des munitions tout à l'heure là. Ils sont où? Là, voilà. Voilà, allez. Dégage. Oh, il y a un bâton. Non. Prends le bâton. C'est bon, les a tous eu? Apparemment, ouais. Ils sont tous rameutés vers nous, ça c'est cool. On a quand même récupéré les munitions, ça c'est sympa, mais on a perdu la trousse de soins. Les bureaux là. Fait chier. Robert a dû s'y réfugier. Ah, bah regardez. C'est que j'en demande une et voilà, trousse de soins. Nickel. Y'a rien à récup, on avance. Je l'ai reculé, bordel! On veut juste parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain! Ah ouais? Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Va! Attrape-le! Robert! Joël, par ici! Non, tu crois? Je suis ici. Alors on va l'attraper. On n'a pas le temps de fouiller. Salut Robert. Tess, Joël. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué.
Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah oh, merde! Ah stop! 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 Merde! Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Et allez, on est parti, on va suivre la reine des Lucioles. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Ouais, on bouge. Donc on va aller récupérer nos armes. Mais pour ça, va falloir faire sortir quelque chose de la ville. Quel est ce quelque chose? Je pense qu'on va le découvrir assez tôt. Pour l'instant, faut suivre elle. Putain, Tess, t'es chiante. Allez. Oula. Merde. Ce sont les Lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Parce que t'as pas le choix. Non mais regardez quand je vous dis que c'est magnifique. Pourquoi maintenant? C'est magnifique. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'on fait. On essaie simplement de se défendre. Ah bon? Ah, plein de trucs qui brillent. Voilà. Y'a pas autre chose? Joël, donne-moi un coup de main. Ouais, j'arrive. Allez! Hé, hey, tu tiens le coup? Ça ira. Ouais, elle va pas mourir.
Rien à récupérer. Non, c'est bon. Attends, je suis comme une conne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des gens. Stop. Des soldats. On a qu'à les tuer. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. T'inquiète. Allez. On va gérer, t'inquiète. Alors. On doit atteindre cette porte. Ouais, la porte au bout. T'inquiète. Le but, c'est pas de se faire remarquer. Ça va être vite fait. Allez, on y va doucement. Je recharge au cas où. J'ai toujours mon bâton. Hop là. Je prends celui-là. Faites le tour pour l'autre. Là, j'ai une brique. Hop là, voilà, ça c'est le travail d'équipe. Bien, pas de bruit. Où sont les autres? Continue tout droit. Voilà, le but c'est vraiment de s'infiltrer. Alors. Là on n'entend personne. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas bien dans la tête. Ils sont en force, bien. Et on y va doucement, il nous voit pas. On l'attrape. C'est bon. Alors. Où sont les autres? Il est tout seul? Ils sont deux. Là, il y a ces deux-là. Non. Merde, merde! On va voir dehors. Où est-ce que t'es, putain? Putain, il me tire dessus. Putain, mais... Putain, mais wesh, mais attrape-le! Dans la tête. Ouais, ça suffit. Tiens. Tiens. Voilà. C'est bon. Non, mais je t'ai bien caché, là, tu m'as vu. Voilà, tiens. Alors, t'as quelque chose à me donner, toi? Non. Et toi? On n'est plus très loin. Non plus. Alors, charge. Un peu de soin, s'il vous plaît. Voilà, le soin. Les balles, ça va être ce qu'il y a le plus chiant à trouver. Elle est où, l'autre gogole là? Attendez. Montez, c'est là. Et ils ont quoi? Ah, c'est des copains à nous, je crois. Bon, les gars, y'a rien à faire là. On va continuer. C'est quelle porte déjà qu'il fallait aller? Ah, là, faut descendre là, je pense. Allez, on y va! Ouais, c'est ça, regardez, elle est là. Et on ouvre la porte. Allez. Où est-ce qu'on va, Marlène? Marlène, elle est mal en point. Par ici. On n'est plus très loin. On n'est plus très loin. Ok. Alors. Des trucs là-dedans? Non.
Celui-là non plus. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Plus pour longtemps. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. On est presque. Attention. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est pas grave ça. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Ouais, il me pose une bonne question. C'est quoi la marchandise ? Allez, on monte. Joël, donne-moi un coup de main. Ah, il se fait un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je une bonne idée. Pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Et voilà les amis, la marchandise, il s'agit d'Ellie, le deuxième personnage du jeu. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Hein. La prochaine fois on continuera avec Ellie et va falloir aller jusqu'au Capitole. Donc voilà les gars, l'aventure commence vraiment. Ici, et ça sera lors du prochain épisode, l'épisode 3. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'est le cas, un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!